Bonsoir à tous. Donc on va vous présenter l'application Open Take My Data Paris. Donc le principe, c'est de faire une application citoyenne. Donc une application citoyenne aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On regarde dans le market et on trouve des choses comme anti-moustique, super citoyen, ou des applications, certes citoyennes, mais pas très fun et donc très peu d'utilisateurs. Nous, notre but, c'était de faire une application citoyenne avec du vrai potentiel en utilisant du crowdsourcing. Donc typiquement, on récupère les données que Paris nous met à disposition, on les donne à l'utilisateur et l'utilisateur va pouvoir compléter ce jeu de données, ajouter des données et nous on retransmet ces données à qui bon le veut. Donc typiquement, techniquement comment on a fait? Donc on récupère toutes les données géolocalisées sur Paris, donc via Paris Open Data. On récupère ça sur notre serveur, on ajoute les données que nous on a déjà récoltées, on envoie tout ça sur l'application de l'utilisateur. Et à partir de là, l'utilisateur va modifier ses données. Non, cette fontaine est cassée, il n'y en a plus, il y a eu autre chose à la place. Il y en a une ici qui n'est pas repérée. Et on renvoie tout ça sur notre serveur. Et à partir de là, les données sont accessibles via une API sous licence libre, donc sous licence Open Data, et tout le monde peut y accéder. Donc on va passer à la démonstration. Alors, donc notre appli, voilà, vous arrivez sur la page d'accueil et sur la page d'accueil, nous, ce qu'il y a en fait, c'est qu'on a essayé de trouver une solution pour rendre une application qui a priori va être absolument pas intéressante, intéressante. Donc pour ça, on a intégré, pardon, un gameplay. Donc le principe, en fait, ça va être de, comme Sam l'a dit, de faire remonter de l'information. Et cette information, en fonction de l'intérêt qu'elle va avoir pour nous, donc c'est-à-dire est-ce qu'elle est nouvelle ou pas, elle va gratifier l'utilisateur 2 points. Donc on va voir par la suite comment on utilise ces points dans l'application. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est 4 exemples que, par exemple, la mairie de Paris pourrait avoir envie d'améliorer dans ses bases de données. Par exemple, on va essayer sur les bancs. Donc on va dire que vous êtes devant un banc. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant un banc? Et bien, en fait, vous allez un peu dresser la carte d'identité de votre banc. Donc vous allez dire le type du banc que c'est, l'usure, le cadre spatial, par exemple. Et une fois que vous avez rempli donc, toutes ces informations, le principe, ça va être de les envoyer au serveur, évidemment. C'est ce qu'on fait. Et donc, le serveur analyse ces données et va estimer en fait, l'intérêt qu'il a pour lui. Et en fonction, on gagne des points. Donc là, apparemment, le serveur est bien content parce que j'ai gagné 6 points. Et 6 points, et ben, ça tombe d'autant plus bien que je viens de valider un objectif qui s'avère être gagner au moins 5 points en trouvant des bancs. Donc j'en ai 6. Et donc, si on ferme cette petite notification, on voit que derrière ça, on a une Google Map qui me localise eh ben justement tous les bancs qui sont dans le coin avec un certain type de pictos. Donc les verts, c'est en fait toutes les données qui sont déjà existantes dans la base de données qu'on utilise. Donc en fait, c'est celles qui sont susceptibles d'exister. Et ensuite, de rouge à jaune en passant par orange, bon, on ne le voit pas forcément très bien ici, c'est les données qui ont été déjà remontées par les utilisateurs. Et donc en fait, la couleur, ça permet de définir en fait le nombre d'utilisateurs qui ont déjà fait remonter la donnée. Donc quand on vient sur la page d'accueil, au cas où vous n'arrivez pas à trouver des bancs, c'est possible si vous ne trouvez pas de bancs, vous pouvez toujours essayer de trouver d'autres choses en appuyant donc sur le petit plus. Et là, vous avez donc la liste de différentes autres possibilités que vous pouvez trouver qui sont en fait considérées comme moins importantes par la mairie de Paris, par exemple, qui pourrait l'utiliser. Donc voilà, on peut revenir sur la page d'accueil et voir un peu à quoi servent nos points. Parce que là, j'ai gagné 6 points, on le voit là-haut, j'ai un score de 6. Mais concrètement, à quoi ça me sert? Et bien en fait, en appuyant là-haut, hop, on va voir mes statistiques. Et là, je vais voir que j'ai des médailles que je débloque en fonction du nombre de points que j'ai gagnés. Et on voit bien que sur mes bancs, j'ai eu la médaille de bronze et j'ai déjà 6 points sur 15 pour la médaille d'argent. On peut aussi voir que je n'ai pas beaucoup utilisé l'appli parce qu'apparemment, je n'ai pas d'autres médailles. La dernière fonctionnalité qu'on a, c'est d'aller faire un tour au niveau des licences. Sam? Et donc là, on voit très bien, on utilise donc les données qui sont récupérées sur Open Data Paris et les données que nous retournons, qui sont disponibles donc à cette adresse. Bon, c'est pas très beau, allez-y si vous voulez. Et donc, ils sont elles aussi disponibles sous licence Open Data et réutilisables et qui sont annotées en fonction de la fiabilité de l'information, en fonction du nombre de remontées. Voilà. Donc après. Comment on fait? On peut repasser sur l'autre? Timestamp qui est envoyé vers la base de données qui enregistre à quel moment ça a été enregistré de façon qu'il n'y ait pas une personne qui puisse s'amuser à envoyer des informations
sur le même lieu et ainsi augmenter son nombre de points de façon erronée. Alors pour conclure, donc avec les objectifs qu'on a, parce qu'une application en 48 heures, ça a beau être intéressant, ce n'est pas forcément complexe, on va vous présenter 3 points. Donc très rapidement, créer un back-office de manière à ce que n'importe qui puisse l'utiliser pour augmenter son nombre de données. Ensuite, rendre l'application la plus générique possible. Et enfin, rendre le gameplay beaucoup plus fun. Alors, dans le fait de rajouter des informations, vous avez prévu, j'imagine, le fait de rajouter un point qui est complètement nouveau. Et alors, d'accord, bon, alors c'était oui, puisque c'est moi qui garde le micro. Et comment ça marche pour géolocaliser de façon très précise un point, puisqu'on sait qu'un banc, par exemple, l'intérêt, c'est de le placer de façon beaucoup plus précise que le GPS. Est-ce qu'on peut raffiner sur la carte ou bien... Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que donc, le principe des différents pictos avec les couleurs, c'est justement que c'est pour donner la précision d'un objet. Et donc ce qui se passe, en fait, c'est que si par exemple, on a des utilisateurs qui repèrent un banc dans la rue, ils vont le signaler, et un utilisateur tout seul, bon, bah, il va nous signaler un banc. Mais si on a 50 utilisateurs qui nous signalent, et qu'après on moyenne tout ça, on va avoir une position qui sera beaucoup plus précise que si on n'en avait qu'un seul. Dans la mesure où le GPS est suffisamment performant, forcément. On va juste attendre, est-ce qu'il y a, ouais, si on laisse la priorité au jury et s'il y a du temps, on laisse les autres poser la question. Très vite donc, mais est-ce que donc vous avez prévu la possibilité de créer de nouveaux objets qui n'existaient pas dans les catégories que vous avez présentées? Est-ce qu'on peut décider de créer une nouvelle catégorie d'objets qu'on voudrait pouvoir commencer à suivre? Tout à fait, donc c'était la deuxième partie de la continuation de l'application, c'est de faire en sorte que ça soit le plus générique possible, de manière à, depuis le back-office, demander n'importe quel type de données géolocalisées et pouvoir très rapidement ajouter ce nouveau type. Typiquement, si demain on a besoin de savoir où sont les abris de bus, on ajoute ça sur le back-office et ça devrait être directement intégrable. Vous avez pensé par exemple à convertir les points gagnés, les médailles en, je sais pas, bons d'achat et compagnie? Ça, c'est la toute fin de ce slide-là, justement. C'est que. Pas de ce slide-là, parce que c'est pas notre appli. Est-ce qu'on pourrait se repasser sur notre appli, peut-être? Bref. Le principe, en fait, c'est d'utiliser tous ces points-là. Donc, les points, c'est une chose, ça permet d'obtenir des médailles. Et ce qu'on s'est dit. C'est de faire en sorte de proposer par exemple des lots à gagner pour les personnes qui vont faire remonter le plus d'informations. Donc sur la base de ces points, ça pourrait être une des améliorations qu'on pourrait apporter à l'application, avec par exemple notamment, on a pensé aussi au fait de faire interagir les utilisateurs entre eux, parce que pour le moment c'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur l'IP du téléphone pour pouvoir l'identifier, on ne demande pas à l'utilisateur de lui-même s'identifier, donc après on pourra très bien, en lui demandant de se créer un compte, pouvoir interagir entre utilisateurs et imaginer tout un tas de différentes interactions.